Quatrième. On est en surcharge, messieurs. Voilà autre chose, tiens. En tout cas, ça peut pas de moi. Bon. Et pourquoi ça? Quelle question, parce que je suis le chef, tiens. À moins que le lourd poids de votre conscience... Bertrand, vous n'en avez même pas à bique sur vous. Je crois qu'on peut vous éliminer d'office. Il me semble, oui. Par contre, moi, je parierais bien sur Jean-Marc. Hein? J'ai l'impression qu'il a un peu forcé sur la table, moi, ce week-end. Il cache bien son jeu, hein. C'est peut-être un faux maigre. Moi, vous trouvez que j'ai pris du poids? Maryse, on peut difficilement vous demander d'accoucher sur le champ. Ah oui. Alors, il ne reste que... Que moi? Bon, Pierre-Yves, on est le premier lundi du mois. Oui, alors? Pierre-Yves. Bon, j'ai bien appris quelques petits trucs à grignoter durant la journée, mais c'est juste pour pas mourir de faim, hein. On est toujours en surcharge, Pierre-Yves. Oh, et ça c'est quoi ça? C'est juste quelques pâtes, hein, Mais il y a bien plus de pâtes. Ah oui, ça c'est du pain d'épices, parce qu'en fait le pain d'épices ça cale très très bien. Avec des biscuits, non, ça c'est la confiture. Non, pas les gaufres, ça c'est pas les gaufres. Avec du chocolat, mais les chocolats sur les gaufres. Oh, je sens quelque chose d'énorme, de long et de dur. Ça c'est mon saucisson de 10 heures. J'ai trouvé autre chose. Hein? Oui, ça c'est des rillettes. En fait, c'était pour manger avec une petite bouteille de vin. Et bingo! Ah, je crois que j'ai trouvé le gros lot. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est pour les mois en R. C'est parce que je me suis dit qu'une bonne vieille casserole en fonte, si j'avais envie de manger des moules. Ah! Et ça c'est quoi? Ah non, ça c'est ma mini calculette, hein. Il faut pas oublier que je suis comptable, hein, quand même. Bon sang, où avais-je la tête? Vous viendrez dans mon bureau à 11h30. Et n'oubliez pas les amuse-gueules pour prendre l'apéro. Un petit morceau d'andouille? Oui, ben je crois qu'on a largement ce qu'il faut.